Bonjour les CE1, alors on se retrouve aujourd'hui vendredi 22 janvier 2021, c'est le dernier jour d'école de la semaine. Alors la semaine prochaine on se retrouvera, alors pas tous les jours mais à l'école, lundi et mercredi pour les CP et mardi jeudi pour vous les CE1. On en rediscutera après, notamment en visioconférence. Alors aujourd'hui, la dictée, bien sûr, porte sur le son k, qui peut s'écrire de nombreuses façons, comme tu l'as vu dans les différents mots que tu devais apprendre, les mots de la liste numéro 16. Et bien sûr, cette semaine, c'était des dictées sur le thème de la musique, des instruments, des petites dictées qui te forçaient à écrire ce son k de différentes façons, et aussi qui te forçaient, qui te faisaient découvrir les conjugaisons, notamment d'un verbe du premier groupe qui était le verbe jouer. Alors hop, qui était le verbe jouer. Voilà. Que l'on conjuguait avec différentes personnes. Bien sûr, à chaque fois que tu entendras ce verbe jouer conjugué, pose-toi bien la question de qui fait l'action pour savoir comment accorder ce verbe avec le sujet. En te posant la petite question, qui est-ce qui? C'est parti, écoute la dictée d'aujourd'hui que tu écriras dans ton cahier du jour au stylo bleu selon les consignes habituelles et que tu renverras ce soir à Anne-Sophie ou Frédéric avec le reste du travail sur Google Classroom. C'est parti, bien sûr, n'hésite pas à t'arrêter pour prendre le temps d'écrire, d'écouter et surtout, surtout, relis plusieurs fois ta dictée car en relisant, je suis sûr que tu vas pouvoir corriger certaines erreurs en te posant certaines questions, car la dictée, si nous faisons la dictée tous les jours, c'est parce que tu dois prendre les réflexes justement de te poser certaines questions à chaque fois quand tu vois un verbe. Qui est-ce qui fait l'action pour accorder le verbe? Quand il y a un nom, y a-t-il un ou plusieurs objets, une ou plusieurs personnes pour accorder, bien sûr, en nombre, le nom. C'est parti, voici la dictée d'aujourd'hui. Écoute la première fois la phrase normalement, puis après je te la dirai un peu plus calmement. C'est parti. La chorale rock et ses 50 choristes sont en place. Point. Nous jouons de l'accordéon, virgule. Le coq et le koala jouent de la batterie et tu joues de l'harmonica. Tu vois, dans cette phrase, il y a au moins trois fois, trois façons différentes de conjuguer le verbe jouer avec trois sujets différents. C'est parti. La chorale rock et ses 50 choristes. La chorale rock est. Bien sûr, ce n'est pas le verbe être puisque tu peux remplacer par et puis. La chorale rock est ses 50 choristes sont, là c'est le verbe être qui est conjugué, en place. Point. La chorale rock est ces 50 choristes sont en place. Point. La chorale rock et ses 50 choristes sont en place. Point. Nous jouons de l'accordéon. Nous jouons, rappelle-toi de la terminaison du verbe avec nous. Nous jouons de l'accordéon, virgule. Le coq et le koala. Nous jouons de l'accordéon, virgule. Le coq et le koala joue de la batterie. Nous jouons
de l'accordéon. Le coq et le koala jouent de la batterie. Et tu joues de l'harmonica. Nous jouons de l'accordéon, virgule. Le coq et le koala jouent de la batterie. Et, bien sûr, ce n'est pas non plus le verbe être, et puis, et tu joues de l'harmonica. Point. Alors, la dictée est terminée. Je vais la relire en entier. Pendant ce temps, relis, écoute bien et relis en même temps ce que tu as écrit, voir si tu n'as rien oublié. C'est parti. La chorale rock et ses 50 choristes sont en place. Point. Nous jouons de l'accordéon, virgule. Le coq et le koala jouent de la batterie. Et tu joues de l'harmonica. Point. Voici donc la dictée d'aujourd'hui. La chorale rock et ses 50 choristes sont en place. Nous jouons de l'accordéon. Le coq et le koala jouent de la batterie. Et tu joues de l'harmonica. Voici la dictée pour aujourd'hui. Dernière dictée de la semaine. Alors bon courage. Pense à relire. Pense à tout ce que tu as vu durant la semaine en visioconférence et aussi lors des dictées et des corrections que tu as vues. Et bien sûr, bon travail, bonne dictée. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, à la fois en distanciel comme ça, toujours avec du travail à l'ordinateur. Et bien sûr aussi à l'école où nous nous retrouverons les CE1, donc le mardi et le jeudi. Ciao, ciao, bon courage et à bientôt. Ciao, ciao les CE1.